Vaccination thérapeutique. On peut utiliser des vaccins pour traiter le cancer. Alors oui, cela peut paraître bizarre car d'habitude, un vaccin, cela s'utilise avant, pour ne pas tomber malade. C'est préventif. Ce type de vaccin existe pour certains cancers, notamment pour le cancer du col de l'utérus et 7 autres localisations. Tous sont provoqués par des virus appelés HPV ou les papillomavirus humains, qui infectent des cellules et provoquent un cancer. En immunothérapie, on va utiliser le principe de la vaccination pour traiter un cancer alors qu'on est malade. C'est thérapeutique. Les cellules cancéreuses sont issues de nos propres cellules, du soi. Elles sont donc du soi altéré, vraiment très proches du soi. Le système immunitaire les tolère et parfois a du mal à les identifier. Il faut lui faire reconnaître la bonne cible et l'éduquer. Alors, retour à l'école. Quelle que soit la maladie, le principe de vaccination est toujours le même, à savoir éduquer son système immunitaire pour lui apprendre à cibler efficacement les cellules cancéreuses. D'abord, reconnaître la cible, l'antigène de la cellule cancéreuse. Puis, entraîner nos cellules pour qu'elles possèdent le bon anticorps, le harpon détecteur pour cibler cet antigène. Yeah, yeah ! On est prêts ! Afin d'éduquer notre système immunitaire à reconnaître la bonne cible à attaquer, des stratégies et techniques vaccinales différentes existent, que ce soit pour des cancers ou d'autres maladies. Elles nécessitent donc beaucoup de recherches supplémentaires et notamment et surtout dans le cas de cancers pédiatriques.